Oh, quel vent! Une vraie tempête aujourd'hui! Oh, vivement le printemps! Le soleil, les oiseaux, les fleurs. Eh bien oui, je pourrais bientôt faire mes jardinières dans mon jardin. Mais en attendant, ça me donne une idée. Je vais relire Martine à la fête des fleurs. Regarde, voilà justement son char. Oui, c'est elle, je la reconnais. Elle est ravissante. Martine fait tourner son ombrelle avec grâce et salue tous ses amis qui sont venus de loin pour la voir dans son costume de japonaise. Oh Martine, j'adore ce costume. Hé, ça me donne une idée. Je vais aussi me déguiser comme toi Martine. Même pas l'éventail. Ah, mais j'ai une idée, je vais en fabriquer un moi-même. C'est fastoche. J'ai tout ce qu'il faut pour cela. Du papier coloré, un bâton de glace par exemple ou ramassé dans la nature, un crayon gris, une latte, des ciseaux et de la colle. Je trace un carré, par exemple, de 16 cm sur 16 cm. Puis un deuxième identique. Je les découpe bien soigneusement. Et maintenant, le pliage en accordéon. Comme ça. Je replie la bandelette en deux et j'arrondis les bords. Je fais la même chose avec la deuxième bandelette. Maintenant, je vais mettre un peu de colle sur chaque côté pour pouvoir les assembler. Comme tu peux le voir, j'ai maintenant deux petits éventails. Mais ce n'est pas fini, je vais les assembler pour en former un seul. Regarde bien. Et maintenant la touche finale. J'ajoute un petit bâton pour pouvoir le tenir facilement en main. Ah ben voilà, comme Martine, j'ai un éventail qui termine ma toilette. Alors à toi de jouer et partage avec nous ta belle création.